Savez-vous qu'en tant que bailleur, vous pouvez réviser annuellement le loyer qui est inscrit dans votre contrat de bail, à condition bien évidemment qu'une clause de révision des loyers soit inclue dans votre contrat de bail, et ceci fonctionne aussi bien en location nue qu'en location meublée. Évidemment, sur ces sujets, je vous invite à rejoindre Le Droit d'Investir, mon podcast pour investisseurs immobiliers, puisque vous retrouverez des explications complémentaires et également la possibilité de me poser vos questions sur ces sujets et pourquoi pas sur les modalités de calcul ou sur certains contrats de bail qui parfois sont mal rédigés à l'occasion du coaching commun mensuel de 2 heures. Cela dit, donc, il existe dans la plupart des baux d'habitation une clause dite de révision des loyers. Et c'est la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui prévoit cette possibilité de révision dans son article 17-1. Une fois n'est pas coutume, je vais vous citer quelques passages de cet article puisqu'il y a une subtilité que je n'ai que récemment découverte à l'occasion d'une discussion sur le contrat de bail et une nouvelle version du contrat de bail meublé dont je vous dirai quelques explications dans un instant. Cela dit donc, cet article prévoit que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou à défaut au terme de chaque année du contrat. Donc, vous concluez un contrat, en règle générale, vous aurez une clause de révision qui prévoit que la révision aura lieu à la date anniversaire du contrat. Exemple, nous sommes, on va dire, en novembre, vous signez le 15 novembre, et bien la révision aura lieu le 15 novembre de l'année suivante. Extrêmement important, pas de révision si vous oubliez de mentionner dans votre contrat de bail le montant de l'indice de référence. Et il s'agit de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Dans les baux d'habitation, c'est l'indice que vous devez choisir. Alors, le loyer ne peut être révisé qu'une fois par an et ça doit être fait dans des conditions assez strictes. Pourquoi ? Parce que si vous oubliez de réviser le loyer à bonne date, vous serez prescrit dans votre demande. Ça veut dire que si vous tardez trop à solliciter la révision du loyer, vous allez perdre la possibilité de réclamer la révision pour les années précédentes. Ça, c'est très important. Et le bailleur dispose d'un délai d'un an pour réclamer l'augmentation de loyer à compter de la date de révision prévue dans le bail. Passé ce délai, il est trop tard, vous ne pouvez plus réclamer la révision. Alors attention, parce que, et c'est là qu'il y a une petite subtilité que moi-même, je n'avais pas vue, c'est que nous avons un autre morceau de l'article qui prévoit que si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. Alors la discussion justement avec l'ami avec laquelle je rédigeais la nouvelle version du contrat de bail meublé, il y aura aussi une version du contrat de bail nu, pour savoir ce qui se passe si par exemple dans ce que je vous indiquais c'est le 15 novembre et que je ne formule ma demande finalement de révision du loyer que le 15 janvier. Il s'est écoulé 2 mois, donc pas de problème, je peux solliciter la révision, mais il semble ressortir de ce texte que j'aurais perdu quand même les 2 mois d'indexation de loyer entre le 15 novembre et le 15 décembre et le 15 décembre et le 15 janvier. Alors, ça m'a paru un peu gros, mais c'est l'interprétation littérale du texte et je dois dire qu'une recherche de jurisprudence ne m'a pas convaincu du contraire. Je vous invite donc à faire preuve de célérité et lorsque vous allez arriver à la date anniversaire de contrat, de ne pas oublier d'informer le locataire que vous entendez vous prévaloir de la clause de révision du contrat et que par conséquent, à telle date, le loyer va passer de temps à temps. Et évidemment, dès la quittance de loyer suivante, d'appliquer l'augmentation du loyer. Ne tardez pas, parce qu'on pourrait venir vous dire « Ah mais non, vous avez attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois et c'est trop tard. » À ne pas confondre avec le délai d'un an qui vous empêchera, lui, vous serez prescrit de réclamer toute l'année et toute l'indexation pour l'année écoulée. Donc vous le voyez, c'est assez subtil et je dois dire que ça a donné l'occasion d'âpres discussions. Mais je me suis rangé à cet avis que si on laisse s'écouler plusieurs mois, on perd les mois d'indexation. C'est dommage, mais c'est comme ça. Sur la forme de la révision, eh bien, il n'y a pas de forme obligatoire, ce n'est pas spécifié par la loi. Donc vous pouvez très bien formuler la demande par courriel. Alors il existe des logiciels qui permettent de solliciter un accusé réception du courriel que vous envoyez.
Vous pouvez aussi prévoir tout simplement dans le contrat un mode de preuve suivant lequel, eh bien, la production d'une copie que vous avez du mail que vous avez envoyé présume que la personne a été régulièrement informée. Là, on revient à ce que je vous indiquais sur la rédaction du contrat. Il existe la possibilité de prendre des baux plus élaborés que les baux que vous trouverez pour rien ou presque sur Internet. J'ai moi-même rédigé un contrat de bail qui a été rédigé dans l'intérêt des propriétaires. Ça ne veut pas dire qu'il est déséquilibré, ça veut dire qu'il vient préciser des choses que la loi ne prévoit pas. Et ceci pour éviter justement les litiges entre locataires et propriétaires. Vous retrouverez par exemple des choses relatives à l'obligation d'aérer le logement, une clause relative à la suroccupation du logement qui va être prohibée, une clause relative aux conditions essentielles du contrat. Bref, je vous ai rédigé un contrat de location, habitation principale, loi de 89, justement pour prendre en compte les intérêts également du propriétaire et éviter les litiges. Quand vous avez un locataire de bonne foi, tout se passe bien, mais vous, si vous tombez sur un locataire de mauvaise foi, vous savez très bien que la loi de 1989 est largement déséquilibrée en faveur des intérêts du locataire. Vous avez notamment l'article 4 de la loi de 89 sur toutes les clauses qui sont prohibées dans les baux d'habitation. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce bail de location meublée que je vends, avec une vidéo explicative bien évidemment. Et avec ça, vous allez prévenir largement plus de conflits, c'est-à-dire empêcher la survenance de largement plus de conflits qu'avec un bail que vous aurez vous-même bidouillé à partir d'un modèle trouvé sur Internet. Tout ça est très très sérieux. La liberté contractuelle existe, on peut faire énormément de choses. Et donc là, c'était l'occasion de vous parler de la révision du loyer qui est encadrée par la loi, d'accord ? Mais également, vous avez vu, de parler des modes de preuve justement à l'occasion de cette révision du loyer. Sachez qu'on peut adapter énormément d'autres clauses. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.